Alors bonjour, je voudrais vous parler du système PI d'Inboot. Donc c'est un OS pour Raspberry Pi. Donc là c'est dans une boîte avec un écran tactile. Et c'est connecté en fait à ici une Naomi 2 avec une netbeam. Donc voilà, c'est ça le câble réseau rouge. Donc là, tout de suite, j'ai mis le jeu CVS2. Donc si je veux changer de jeu, comme là, donc putain de focus, donc je vais faire système. Donc là j'ai le choix des plateformes, donc ici Naomi 1, Naomi 2. Et même Atomis Wave. Je crois que les ISO sont fait modifier pour être acceptés par un système Naomi, je crois. Mais bon, tout est très proche d'une Dreamcast. Les trois systèmes Naomi, Atomis Wave, Dreamcast sont assez proches. Bah, par exemple, je peux prendre un jeu. Non, on va prendre Atomis Wave en fait. Par exemple, Metal Slug 6. Donc là, je choisis Metal Slug. Et là, la borne redémarre. Ça va prendre plusieurs chargements. Donc là, je pense que ça doit marcher comme un serveur qui envoie le jeu. À la netdim. Donc au lieu d'être sur CD, j'imagine qu'il est dans la RAM. La RAM de la netdim, je pense. Ouais, donc ça va prendre un certain temps. Mais à la fin, on devrait se retrouver avec Metal Slug 6, qui est un jeu Atomis Wave. Donc là, il vérifie ce qu'il a en mémoire. Bah selon la taille du jeu, ça va plus ou moins vite. Et après, je crois qu'il y a encore un autre chargement avant que le jeu démarre vraiment. Voilà le no loading.
Now loading. Donc on n'a pas vu le logo Atomy Sway vu qu'on est sur Naomi. Ah, j'ai pas de crédit. Donc voilà, on est passé d'un jeu Naomi 1 à un jeu Atomy Wave en 5 minutes. Ça, c'est pratique de donc ce système à écran tactile avec petite description du jeu. Là, on voit que c'est de l'action à hein, deux joueurs. C'est édité par SNK Playmore. C'est sur Atomy's Wave. Et d'ailleurs, quatre boutons. Ça, là, c'est pas écrit. Et on peut regarder les autres jeux Atomy's Wave. Donc, par exemple, là j'ai Neo Geo Battle Coliseum. Voilà.